Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Désolée, je suis encore cachée, mais bon, vous allez bientôt revoir ma petite tête. aujourd'hui, j'ai reçu une enveloppe. Voilà. Alors, cette enveloppe, comme on dit par chez moi, elle a fait le tour sans cordon. Elle a pris des... pas des chemins droits. Mais bon, c'est pas grave. Alors, j'ai juste ouvert l'enveloppe et cette enveloppe vient de notre boutique préférée à toutes, surtout les brodeuses. Hop. Oh là là. Poussière d'étoiles. Alors, je regarde. Il n'y a plus rien. Non. Alors, dans cette enveloppe, j'ai deux paquets qui correspondent aux box du mois de février. Donc, c'est-à-dire la box broderie de février et la box aimant à aiguille de février également. Voilà. Ouh, on voit des jolis papillons. Alors, la box broderie de février est sur le thème du papillon. Donc, dedans, on va avoir une fiche broderie, un fil teinté main butterfly de 4 mètres, un aimant aiguille. Alors, je ne donne pas le thème tout de suite. Hein, il est marqué sur l'enveloppe, mais je ne vous donne pas le thème tout de suite. Un coupon de toile à broder teinté main. Il est... un accessoire sous forme de support à broder avec son modèle à broder. Voilà. La box aimant à aiguille. Alors, on aura dedans deux aimants à aiguille inédits, différents et bien sûr, et qui ne seront pas en vente dans la boutique. C'est ce qui est inscrit sur l'enveloppe. Alors, si jamais... Cette box, donc la box d'aimant aiguille vous intéresse. Là, je viens de regarder, elle est encore en vente sur la boutique. La box broderie n'y est plus. C'est fini. Je vérifie quand même une fois. Mais non, c'est terminé. Là, c'est en rupture. Allez, on va commencer. Ben, on commence par les aimants aiguilles. Alors, toujours le petit... mot, merci de soutenir ma petite entreprise avec un petit papillon. Voilà. Je n'ai rien oublié. Non. Alors, on aura toujours, quand vous recevrez une commande chez Sabine, donc de la boutique Poussière d'étoiles, vous aurez toujours... une petite attention, c'est-à-dire un petit sticker et là une coccinelle avec un petit sachet de thé. Alors on va regarder à quoi est le thé aujourd'hui. Un Earl Grey, voilà. Et donc le petit sticker coccinelle. Et on a bien sûr sa carte de visite. Voilà. Donc c'est toujours très sympa d'avoir ces petits plus. Ensuite, on va avoir une petite explication comment se servir des aimants aiguilles. Et toujours un petit mot pour dire que... que s'il y a un souci voilà, avec la commande, il ne faut pas hésiter de prendre contact avec Sabine. Et que d'évaluer également la commande sur la boutique Etsy. Donc, de laisser un avis. Ça, c'est toujours très sympa à faire et à remercier les boutiques. Alors, on a deux petits sachets puisqu'il y a deux aimants. Voilà. Le premier avec son petit sticker. Et
Et on va découvrir donc le premier aimant. Ouh! Alors moi qui adore les papillons, je suis gâtée. Regardez-moi ce joli papillon. Magnifique. Alors, vous avez toujours l'aimant derrière. Voyez, qui aimante très bien. Pour l'instant, je vais le remettre sur le papier et il ira rejoindre ses copains sur ma toile à broder où il y a tous mes aimants. Ah, je ne vous ai pas montré. Là, il y a un petit thank you. Voilà. Ah, comment ça s'appelle ça? Ah bah mince, je reviens plus sur son nom. Je vous le marque à l'écran. Regardez-moi ça, comment il est beau. Plein de couleurs. Alors voilà les deux aimants pour la box à aimants. Donc vraiment très très joli, très original. J'aime beaucoup. Alors, ensuite. La box broderie, elle est à 9 euros. Box broderie, la box à aimants est à 9 euros, hein, si ça vous intéresse. Et est-ce que je peux voir si combien il en reste? Je ne sais pas si on voit combien il en reste. Non, je ne vois pas. Mais bon, allez-y rapidement si vous voulez ces aimants. Alors. Elle nous a mis un petit mot derrière. Dans cette box broderie, vous trouverez une toile teintée main de ma création. Celle-ci a été préparée avec beaucoup d'amour et plus de 110 heures de travail. Elle n'est pas parfaite, mais elle est unique. De fabrication française, merci de votre compréhension, votre créatrice Sabine. Je comprends très bien le nombre d'heures qu'il faut pour créer des grilles. Je sais que ça prend énormément de temps. Moi-même, j'en ai fait il y a quelques années. Et je sais que ça prend beaucoup de temps. Alors, on va tout ouvrir. Qu'on n'a rien oublié dans le sachet. Alors, on a toujours le petit mot. Alors, là, on a une feuille avec les mêmes explications tout à l'heure elle demande qu'on puisse évaluer la commande sur la boutique Etsy. Et l'explication comment on se sert des aimants à aiguille. Voilà, donc sur ce petit papier. Ensuite, on a un autre papier qui nous explique alors ce qu'il y a dans la box de broderie. Alors, une fiche broderie couronne papillon, un fil teinté main butterfly de 4 mètres sur coton mouliné DMC, un aimant aiguille, un coupon de toile à broder teinté main. Ne pas la laver, il faut surtout pas la laver. Dimension adaptée pour broder le modèle de couronne papillon et un marque-page papillon à broder avec son modèle à broder. Tout est préparé par mes soins dans mon atelier au cœur de la Provence. Tous les modèles, toiles, aimants et accessoires sont inédits. Informations concernant votre modèle à broder. Il est alors, sur simple demande par email, donc ça vous le voyez sur la carte de visite, son adresse email, vous pouvez demander la version de la broderie en PDF. Voilà. Et elle vous l'enverra gratuitement par mail. Et maintenant, il est possible d'utiliser donc les grilles PDF sur l'application Pattern Keeper. Donc ça, c'est très très bien. Donc, ma Sabine, tu sais ce que je vais faire. Je vais te demander les PDF.
Voilà. Alors, oh, que c'est joli. Oh. Oh là 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 là. Que de belles choses. Allez, ben, c'est celui-là en premier. Je vais vous montrer. Alors, en plus, c'est la première fois que je vois comme ça. C'est vraiment très très beau. Alors, je vous montre le marque-page. Voilà. En métal. Alors, est-ce que j'ai un papier blanc pour que vous le voyez bien? Voilà. Regardez-moi ça. En plus, ça brille dans tous les sens. Alors, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau! Trop, trop beau. J'adore. Alors, ce petit marque-page, on va devoir le broder. Donc, vous voyez, il y a les petits trous. Et donc, on va le broder à travers la grille en métal. Ça va être une première, ça, de broder sur du métal. Je ne vous montre pas la grille, bien sûr, mais le résultat, voilà. Donc, c'est une broderie pleine, puisque là, on va broder entièrement la grille ici. Oh, j'ai hâte de le faire, ça. Alors, c'est 28 sur 58 points. On a les couleurs que l'on a besoin. Donc, il y a quatre. Alors, si je ne me trompe pas, une, deux, trois, quatre. Oui, il y a quatre couleurs pour faire cette grille. Voilà. Et on a. Alors, je ne vous les montre pas, mais. On a une fiche avec la grille. Donc voilà le premier objet à broder. Alors là, c'est vraiment trop trop beau. Le deuxième, ah, la box cette ce mois-ci. Alors j'adore toutes les box, Sabine, mais ce mois-ci, je suis en merveille devant. Parce que j'adore les papillons. Alors, hop, je vais tout sortir. Ben, je vous montre tout de suite le modèle. Voilà. La toile que l'on va broder. Enfin, la broderie que l'on va broder sur la toile, plutôt. Donc, une couronne de fleurs avec un papillon au milieu. Et ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13 couleurs. Si je ne me trompe pas. Non, 13. Alors, 14. 15. Il y a 15 couleurs. Voilà. Trop, trop beau. Alors, on a toujours notre petit cadeau, la carte. Et ici, le petit sticker, dans le sens là, le petit sticker, mais cette fois-ci avec un papillon. Et on a toujours notre petit sachet de thé. Bon, je pense que c'est le même. On va quand même regarder. Ah non, c'est pas le même. Alors, saveur citron. Ça sent bon. Alors, ensuite. Le fil teinté main, oh comme il est joli, regardez-moi ça. Voilà. Alors, il est teinté alors, dans les tons main beige, marron clair. Il y a du vert, du bleu. Vraiment très très joli. Bien sûr. Oh, oh, qu'elle est belle la toile. Oh là là, elle est trop trop belle. Oh, j'ai hâte de broder cette broderie. Alors, j'espère que vous allez bien voir, mais je vais vous remontrer de près. Alors, moi, alors, je sais plus ce que j'ai choisi. Je crois que c'est Naïda, ça. Naïda ou une. Non, une étamine. Ouais, c'est une étamine.
Sabine, si je me trompe, il me dit, je ne sais plus ce que j'ai choisi. Et regardez, qu'est-ce qu'il y a dessus? Vous m'étonnez qu'elle a passé plus de 110 heures. Elle nous a imprimé des papillons sur la toile. Trop, trop beau. Magnifique. Oh, j'adore. Bon, une petite pluche. Elle ne veut pas s'en aller. Bon, bah, c'est rien. Ça en ira après. Avec, regardez. Trop beau. Et bien sûr, avec ça, il va nous falloir un aimant à aiguille pour broder. Oh, il est beau. Regardez-moi ça. Il est trop chou. J'adore. Oh, puis les couleurs vertes comme ça. Voilà. Regardez. Trop, trop beau. Bien sûr, avec le double aimant. Voilà, toujours très solide, magnifique, mais alors vraiment très 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 beau. On va le remettre sur son petit papier en attendant de le mettre sur son avec ses petits copains. Mais Sabine, que dire, tes boxes sont toujours merveilleuses, mais alors là, tu as dépassé toutes nos espérances. Ça sent vraiment, les deux box sont vraiment magnifiques. Je ne saurais plus vous dire le prix de la box broderie. Si je ne me trompe pas, c'est dans les 25 euros, je crois. Donc, bon, là, la box broderie, malheureusement, il n'y en a plus. Je ne sais pas encore si la grille de broderie, on pourra la retrouver plus tard dans la boutique. Souvent, c'est ce que Sabine fait, mais bon, là, on verra bien. Mais en tout cas, ça, je trouve ça trop bien. Vraiment magnifique. Je vais prendre un grand plaisir à le faire et à l'offrir à Chouchou. Parce que bon, lui, moi je lis très très peu, mais Chouchou lit, lui il lit tous les jours, donc le soir dans son lit. Et du coup, je pourrais lui offrir pour mettre dans ses livres, une fois qu'il sera terminé, bien sûr. Bah écoutez, voilà, je suis très heureuse du coup d'avoir reçu cette box. En plus, ça m'a donné un peu de réconfort aujourd'hui. Enfin, ce soir, parce que après le frigo qui est mort, qu'on a dû remplacer, après la voiture morte qu'on a dû remplacer, ce soir, nous avons fait nos adieux à notre télévision. Voilà. Elle a cramé. Mais il s'appelle cramé parce que ça a senti le brûler. Donc c'était ce soir. On regardait, je ne sais même plus ce qu'on regardait, les infos ou quoi. Et puis d'un seul coup, plus rien. Et donc on a attendu un petit peu. Et puis d'un seul coup, je vais. Ça sent bizarre. Ben oui, ça sentait le brûler. La télé avait cramé. Donc tout ça sur un mois de temps. Hein, donc là, la télé, bah, il faut que je vois comment on va faire. Parce qu'après avoir acheté un frigo, après avoir acheté une voiture, c'est un peu raide. Voilà. Donc un peu les bouboules. Mais bon. Alors, on va bien finir par se débrouiller, on verra bien. Voilà. Alors, du coup, la petite box là, qui est arrivée aujourd'hui, ça me fait un petit peu plus chaud au cœur de vous la présenter. Voilà. Je vais
remercier énormément Sabine pour les box qu'elle nous fait toujours, toujours aussi belles et toujours de plus en plus belles, c'est en plus. Donc vous pouvez, alors j'espère qu'on va bien voir, oui, donc vous pouvez aller sur la boutique Etsy de Sabine. Alors il y a des pochettes surprises également que vous pouvez prendre, voilà. Il y a calendrier d'anniversaire, donc dedans il y a 7 jours de surprise pour votre anniversaire ou celui d'une amie, voilà. Des pochettes surprises pour la papeterie. Il y a encore la box papeterie de février, voilà. Donc des pochettes surprises de la brodeuse. Et ensuite, voilà, ça se met. Des grilles, oups, non, je vais pas casser ma tablette en plus, hein, c'est bon là. Alors, des grilles de broderie, voilà, que dessinées par Sabine. Donc, je vous en montre quelques-unes, bien sûr. Après, alors, bien sûr, j'ai pas cliqué là, mais il y en a beaucoup plus. Hein. Après, tous les aimants. Oh, regardez là, il y a encore un petit papillon. Tous les aimants aiguilles. Allez. Bon, c'est pas grave. Ici, il reste du trifile. Après, vous pouvez avoir des cartes. Voilà. Des stickers. Donc, on a les stickers papillons aussi. Là, c'est pour faire des cachets de cire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a non, pour faire des cachets de cire. C'est les bloc-notes. N'importe quoi. Ceux-là, je pense qu'ils sont nouveaux. Je ne les avais pas encore vus. Donc, des to-do list, planeur, liste de Noël. Ouais, to-do list, automne planner, etc. Ensuite, on a des petits carnets. Là, des sets de papier à lettres. Donc, il y a du papier à lettres, des enveloppes certainement. Alors, avec les cartes, vous pouvez aussi avoir l'enveloppe. Hein. Du masking tape. Voilà. Et ici, ah ben, les voilà. Les seaux et tampons de cire. Et vous avez aussi des cartes cadeaux, si vous voulez offrir à quelqu'un. Et voilà. Et ici, on a encore des aimants. Voilà. Vous voyez. Donc, la box à aimants. Mais alors, les aimants sont tous magnifiques. Hein. On voudrait tous les avoir. Moi, enfin, c'est pas moi. C'est Sabine qui vous offre un code promo. Alors, comme à chaque fois, je vous le redonne. C'est Didit 2022. C'est normal que c'est 2022. Hein, ne vous inquiétez pas. Ça vous donne 10% de réduction sur votre commande, sauf sur les box, voilà, sur les box et sur les nouveautés, voilà. Mais sur tout le reste du site, vous pouvez vous en servir, vous aurez 10% de réduction. Donc, n'hésitez pas à vous en servir à chaque fois que vous passez commande. Ben, écoutez, moi, je vais vous faire des gros bisous. Mais je vais en faire un plus gros particulièrement à Sabine et un très gros bisou à sa maman qui me regarde à chaque fois. Je suis désolée, aujourd'hui je ne montre pas ma tête, mais la prochaine fois, vous me verrez en entier. là, j'attends pour le dentiste, hein. D'ailleurs j'y vais demain. Donc, de gros bisous à toutes les deux.
Et moi, je vous fais donc à tous de gros bisous. Je vous invite tous à aller voir la boutique de Poussière d'Étoiles, la boutique de Sabine, si vous ne la connaissez pas encore. Allez-y. Vous allez y trouver vraiment des merveilles, de superbe qualité en plus. Donc, allez-y. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous.